Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons à étudier les nouveaux mouvements du sabre du Tai Chi. Préparez-vous, nous allons commencer. Avant de commencer la nouvelle séance, répétons d'abord tous les mouvements étudiés lors du dernier cours. Mouvement d'ouverture. Inverser le ciel et la terre. Regardons les mouvements que nous allons apprendre aujourd'hui. Maintenant, voyons le dragon remue la queue. Sabre dans la main droite, faites un cercle vers l'arrière, puis un cercle vers l'avant, ramenez la main gauche, puis refaites un cercle vers l'arrière. Ensuite, tournez le corps, appuyez au niveau du côté gauche. Bien, regarde-moi faire une fois. On appuie. Bien, à toi de le faire. Bien. Pour les cercles de sabre, le premier est lent, le deuxième doit accélérer et le troisième doit ralentir. Ensuite, on appuie doucement. Bien, fais-le avec moi. Prêt? Allez. Le dragon remue la queue. Faites attention au mouvement des mains. Maintenant, passons à le vent balaye les fleurs de prunier. Sabre dans la main droite, allez vers la droite. Avancez avec la rotation de la taille. Quand vous arrivez au-dessus de la tête, avancez encore, faites un pas croisé, balayez, ouvrez, main gauche au-dessus de la tête. Bien, regarde-moi faire une fois. Balayage avec le sabre, en suivant la rotation du corps, on avance, le mouvement doit être bien coordonné. Pas croisé, on tourne le corps, on ouvre le bras. Bien, on refait une fois ensemble. Coordonnées dans un ensemble.
Maintenant, passons à écarter les nuages pour voir le soleil. Sabre dans la main droite, relevez-le et finissez à gauche. Montez le sabre, main gauche sur le dos du sabre, décrivez un cercle au-dessus de la tête, ramenez vers l'arrière, avancez en position du cavalier en poussant. Bien, regarde-moi faire une croix. Jusqu'à la tête, on va en position du pas vif en soulevant le sabre. La main gauche sous le dos du sabre, on fait un cercle au-dessus de la tête. Ensuite, on passe par l'arrière du corps et on avance en position du cavalier en poussant. Ok, on y va une fois ensemble. C'est parti. Écartez les nuages pour voir le soleil. Faites-le encore une fois. Le dragon remue la queue. Lors des cercles de sabre, le poignet est souple, les mouvements sont fluides et coordonnés. Le vent balaye les fleurs de prunier. Pendant ce mouvement, la taille emmène le sabre, le mouvement est continu. Écartez les nuages pour voir le soleil. Lors des cercles de sabre, le mouvement doit être rond et fluide. Le haut et le bas du corps sont coordonnés. Afin de mieux les saisir. Le dragon remue la queue. Le vent balaye les fleurs des pruniers.
quels sont les intérêts de la pratique du sabre du Haïti? Premièrement, la pratique du sabre demande de la concentration, une union interne et externe, une continuité dans le mouvement. C'est un bon entraînement cérébral. Elle permet aussi de réguler les différents systèmes du corps humain. Deuxièmement, en pratiquant régulièrement, les artères et veines deviennent plus souples, extensibles, la circulation sanguine est stimulée, la capacité d'apport en oxygène augmente et le métabolisme est accéléré. Troisièmement, une pratique à long terme du sabre du Tai Chi permet aux articulations de travailler dans des amplitudes assez grandes et donc de conserver leur souplesse. C'est bon pour le système squelettique. Quatrièmement, lors de la pratique, il faut déplacer l'état de contraction de la poitrine à l'abdomen, ce qui profite aux poumons. Voici les mouvements de la première partie de la forme de sabre du Tai Chi. Démonstration d'une forme en duo de sabre du Tai Chi. Chers téléspectateurs, la séance d'aujourd'hui prend fin. Faites attention à la sécurité quand vous pratiquez. À la prochaine séance. Lors de la prochaine séance, on continuera l'étude des mouvements de la première partie. Continuez bien à nous suivre.